On va répondre à ces questions et on va imposer un résultat en euros. On te donne un calcul à faire avec des centimes, tu vois. Mais toi, il va falloir que tu exprimes ce résultat en euros. Donc, il faudra imaginer les centimes dans la tête et ensuite mettre en euros. 6 pièces de 10 centimes, c'est 60 centimes. Et 60 centimes en euros, je l'écris, 0,60 euros ou 0,60 euros. 5 objets à 25 centimes, 5 fois 25, 125 centimes. Mais ce n'est pas le résultat en centimes que je veux, c'est le résultat en euros. Je fais le paquet de 100, 1,25 euros ou bien 1,25 euros. Allez, je te laisse avancer, on se retrouve tout de suite après la pause. Quatre pièces de 50 centimes, 4 fois 50, 200 centimes, et 200 centimes, c'est 2 euros. On peut l'écrire 2,00 euros, ou bien 2,00 euros, ou bien 2 euros. Si il n'y a pas de centimes, c'est pas la peine de les mettre. 38 objets à 10 centimes là, j'imagine en centimes, 38 fois 10, 380 centimes, 3,80 euros, ou bien 3,80 euros. Enfin, 5 objets à 15 centimes. J'imagine 5 fois 15 centimes, 75 centimes. Ce n'est pas 1 euro. 0,75 euros. On n'arrive pas à 1 euro. Il en faut 100, je te rappelle, pour arriver à 1 euro. Ou 0,75 euros.